Salut les gens! Donc, alors, là, je suis toujours à Calais. J'ai coupé ici cette nuit. Et là, je suis chez DB Schenker, où je viens d'atteler une remorque qui est chargée de caviar qu'il faut que j'emmène à Lille. Tournez à gauche. T'avances pas, toi. Virage à droite imminent. Tournez à droite. Alors, là, je fais un petit détour pour aller à l'agence de recrutement, enfin, découvrir le point d'interrogation qui est en fin de compte une agence de recrutement et ce qui me permettra de débloquer de nouveaux chauffeurs. Virage à gauche imminent. Tournez à gauche. Ça, c'est une première chose. Pourquoi vous vous arrêtez tous? Ah bah vous vous arrêtez tous, alors moi je passe, hein, les gars. À gauche imminent. Tournez à gauche. Ah non, c'est à gauche. Donc voilà, en ce qui concerne l'agence de recrutement, ça c'est fait. Donc ça va me débloquer des nouveaux chauffeurs. Sinon, deuxième chose, alors, bon, déjà d'une... Allez, tout droit. C'était le passage, non, tu connais pas toi. Deuxième chose, si j'ai pris des... à droite, imminent. Déjà ce petit trajet là, c'est parce que il fait partie des deux seuls. Tournez à droite. Qui me permettait de rester en France. Sinon, il y avait des transports intéressants. Mais c'était pour aller faire le guignol en Grande-Bretagne. J'ai rien contre les Anglais. J'ai rien contre la Grande-Bretagne. Mais honnêtement, j'ai pas du tout, du tout, mais alors pas du tout envie d'aller faire le guignol là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce petit trajet qui m'emmène à Lille. Et ça va être en même temps une vidéo test. Car j'ai supprimé deux modes graphiques. Tenez la gauche. Euh,
Faut que je tourne. Ah ouais, faut que je tourne. Merde, vas-y, je tourne. J'ai supprimé deux modes graphiques. Donc le premier, c'est Tri-Improved 4K. Ah ben il est sympa le collègue, il me laisse passer. Bah oui, je suis 72, hein, je suis pas... On va y dire merci. Donc j'ai supprimé le mode Tri-Improved 4K. Ce qui est censé améliorer l'image en général. Mais bon, je trouvais pas d'amélioration extraordinaire. Et j'ai désactivé également le mode Beautiful Nature. Désolé pour l'accent anglais. Que je trouvais que ça rendait la nature quand même vachement beaucoup trop verte claire. Mais j'ai quand même laissé la synchronisation verticale désactivée. Et je suis resté quand même en 1776/1000. Si ça peut améliorer un soin... Comment qu'on dit un soin... Un tout petit peu, ce sera plus simple, l'image... Un temps soit peu, voilà, c'est ça. Si ça peut améliorer un temps soit peu l'image, bah pourquoi pas. Prenez la sortie à gauche. Parce que c'est quand même... Ah merde, c'est ouvert. Parce que c'est quand même bien connu. Et à prouver que les modes bouffent pas mal de ressources. Donc cette vidéo est un peu un test. Et comme c'est un petit trajet, dans un certain sens, c'en est pas plus mal. Wali Walou. Après, en ce qui concerne la remorque, il n'y a rien d'extraordinaire. L'île, ben, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Donc, voilà quoi. Mais c'est surtout pour faire le test sur l'image. Sur la qualité d'image. Si je peux gagner un tout petit peu, pourquoi pas quoi. Même si j'aurais pas la qualité souhaitée. Ou tout du moins la qualité que moi je souhaiterais, quoi. Sans faire les grosses modifications sur mon ordinateur pour le moment. C'est-à-dire changer la carte mère, je crois. Et, ou le processeur, je sais plus. Le processeur. Mais également la carte graphique. Mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je suis emmerdé pour me déplacer. Donc... Pour aller voir mon informaticien, bah c'est compliqué. Le mieux ce serait qu'il se déplace pour voir ce que ça donne.
et voir éventuellement si lui, il pourrait y faire quelque chose, et surtout ce qu'il y aurait à faire exactement pour que je me retrouve au plus près des qualités d'image de Yellow, de Turbo, et de bien d'autres encore. Tenez la droite, puis prenez la sortie à droite. Donc, Wally Walou. Alors, je sais pas si vraiment ça se verra par rapport aux vidéos précédentes, mais la végétation est quand même plus de couleur foncée et... Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Bah, ça fait plus mieux, je trouve, quand même. Parce que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Je m'amusais à les regarder ce matin et c'est vrai que la végétation était vachement vert clair, quoi. Tu restes vert, toi, Pépère, là? Ouais. Bah, je vous l'ai dit, hein, c'était vraiment un petit trajet. Virage à droite imminent. D'où le fait la vidéo test. Tournez à droite. Bon, j'arrive chez le client. Ah, c'est Globus. Je sais pas vous si. Arrivé. Je sais pas si c'est une vraie entreprise ou. Une entreprise bidon du jeu. Aucune idée, je ne peux point le dire. Mais bon, c'était quand même... le trajet parfait pour faire le test vidéo... Avec les deux modes en moins, et voilà quoi. Bon, quelque part par là doit y avoir la clôture et le grillage. Voilà. Bon, en ce qui concerne l'entreprise Globus, vaut mieux que j'aille voir sur internet parce que je sais pertinemment que personne me dira en commentaire si, si, c'est une vraie entreprise. Bon, ben voilà, on est arrivé donc on va pouvoir aller décrocher la petite remorque. Alors 115 bornes, 2h30, 45 litres de gasoil de consommé, et le petit transport sera facturé à DB Schenker 4686 euros.
Bon, va falloir que j'aille ailleurs pour du boulot parce que... Bah, il y a point de remorque dans la cour. Donc, je vais aller faire un petit tour ailleurs. Je vais me déplacer parce que si toutefois il arrivait un autre camion... Voilà. Sur ce, mes braves gens, mes chers enfants, voilà pour cette petite vidéo test. J'espère que celle-ci vous aura plu quand même si elle est assez courte. Et puis, ben moi, je vous dis à tout de suite. Non, demain, dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, gros bisous à tous. Merci si vous avez pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Et puis, ben à demain. Allez, salut les gens.